Anita Molinero est une sculptrice française qui travaille depuis la fin des années 80 autour de la sculpture. Et elle a un rapport aux objets et aux gestes qui est très important et qui est donc mis en avant dans le parcours de sa rétrospective. Anita Molinero a la particularité de travailler avec des outils qui sont particulièrement virils et peu destinés à la sculpture, puisqu'elle travaille beaucoup avec le feu, donc principalement le lance-flammes, le décapeur thermique, le chalumeau, le fil à chaud et autres outils dédiés à déformer la matière. Et c'est en ça qu'elle a eu envie assez vite de travailler sur des couleurs roses pour avoir un petit côté girly, puisqu'il y a énormément d'humour dans son travail. Il y a beaucoup d'histoires qui sont autour des œuvres. Et d'ailleurs, dans les cartels développés, c'est la parole de l'artiste qui est au centre du propos. Et elle y raconte toujours les anecdotes qui sont liées aux histoires.